Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole aujourd'hui. Nous allons prier avec ce passage de l'Évangile qui nous dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » C'est Jésus qui répond à Jude. « Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Jésus nous assure de nous envoyer le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ, nous pouvons faire énormément de choses. En son nom, nous pouvons tout faire. Chers frères et sœurs en Christ, en ce matin, c'est cet Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, amour du Père pour lui et son amour à lui pour le Père que nous allons invoquer sur nous et sur tous les aspects de nos vies. Saint-Esprit du Dieu vivant, nous t'appelons en ce matin. Viens remplir nos vies. Viens nous visiter. Comme tu l'as fait avec Paul, lui qui a guéri cet infirme de naissance. C'est au nom de Jésus-Christ et avec ta puissance qu'il a pu ouvrir la bouche et dire à cet infirme-là ce matin-là, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » Et ainsi, l'homme s'est levé et a commencé à marcher. Saint-Esprit, nous avons confiance en toi et nous savons qu'en ce moment même, à cet instant présent, tu es là parmi nous. Tu es là
en présence du Père et du Fils, car vous ne formez qu'un seul Dieu. Saint-Esprit, nous t'élevons et nous te glorifions. Nous te bénissons. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Saint-Esprit du Dieu vivant, à toi toute la gloire. Glorifie ton nom. Glorifie le nom du Père et du Fils en ce jour. Nous te désirons ardemment. Occupe toute la place. Occupe la place qui t'est due dans nos vies. Que ce soit sur le plan professionnel, familial, que ce soit sur le plan social, dans nos relations avec les uns et les autres, que ce soit dans n'importe quel aspect de nos vies, prends la place et prends le contrôle. Manifeste-toi. Saint-Esprit, donne-nous cette assurance que nous te demandons. Donne-nous l'audace, cette audace apostolique pour servir le Seigneur comme Paul contre vents et marées. Peu importe ce que nous pouvons rencontrer sur ce chemin de l'évangélisation, donne-nous cette foi, l'assurance et la persévérance dans ce que nous faisons. Fortifie notre foi. Fortifie-nous dans cet amour que nous avons pour le Christ. Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci pour ce que tu as déjà fait, ce que tu es en train de faire maintenant et ce que tu feras au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous avons prié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la présence du Saint-Esprit tout au long de ce jour et même au-delà. Demandons-lui de prendre le contrôle de tout ce que nous pouvons faire, de tout ce que nous ferons dans l'avenir. Que plus jamais nous ne nous levions du matin jusqu'au soir sans pour autant l'avoir invoqué, car c'est lui que Jésus nous a promis afin qu'il soit notre compagnon de tous les jours. Demeurez bénis dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen.